les abonnés, la tourbe du 68, nouvelle petite matinée détection. Donc on est dans les bois, il y a un petit coucou qui est là-haut, et là je suis avec mon collègue. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, dès qu'il y a trouvaille, je rallume. Hein. Donc là, on fait de la forêt, et puis s'il faut, on va l'allumer. Voilà, j'ai allumé les deux. Et donc là, s'il y a quelque chose dans cette forêt, j'allume à la première trouvaille. Et puis sinon, ce qu'on va faire, on va faire sinon un pré qui est un peu plus loin de l'autre côté de la forêt. Hein. Voilà. Allez, sur le petit bruit du petit coucou. Je sais pas si vous l'entendez. Hein. Voilà. Allez. Super, ça va, il fait pas trop chaud, il fait pas froid. Il fait bon, un peu de nuage, mais c'est cool. Allez, à la première trouvaille. Tchuss. Allez, première trouvaille pour moi. Je viens du bout là-bas. J'ai juste ce petit chemin hein, qui est juste là. J'ai ce petit chemin, donc aucun son. Et là, j'ai un premier son. Et ça se passe là. Regardez. Hop, ici. Et je crois que c'est une boucle de ceinture. Oh, il y a des petits décors. Ouais, nickel. Petite boucle de ceinture. C'est con. Excusez-moi, c'est bête. Il n'y a plus l'ardillon. Il n'y a plus l'ardillon. Allez, prochaine trouvaille. Tchuss. C'est apaisant ce petit bruit, hein, vous croyez pas? Allez, après la boucle, donc là j'ai mon collègue qui est au bout là-bas. Donc là je me suis mis un peu en retrait de la forêt. Je me suis dit je vais faire ce pré. Parce que l'année dernière, il y avait de la flotte. Puisqu'on est dans le ride. Hein. On est dans le ride. Et donc là, comme vous pouvez le voir, ben, la terre est vachement humide. Hein. Et donc là, j'ai une cible. Alors, c'est ici. C'est vachement gros. Mais alors, aucune idée. Avec un trou. Alors, je sais pas si c'est creux à l'intérieur. J'ai aucune idée. En tout cas, c'est hyper gros. C'est hyper gros. Allez, je vais le poser ici. Avec la pelle. Comme ça, vous pouvez voir exactement la taille que ça peut avoir. Voilà. Aucune idée de ce que c'est. Si vous avez une idée, dans le commentaire, please. Thank you. Allez. Je rallume dès que j'ai une trouvaille. Allez, tchuss. Allez, je reprends. Donc en fin de compte, je l'ai nettoyé. Et voilà ce que ça donne. Par contre, après c'est bouché. Après, c'est du dur. Hein. C'est du dur. Voilà. Donc si vous avez une idée, je suis preneur. Hein. D'abord, je pensais que c'était un coin de bûcheron, mais je pense pas. Les coins de bûcheron, c'est pas comme ça. Ou alors je me trompe. Parce que je me suis pas encore renseigné hein, sur les différents types de coins qui peuvent exister dans le monde, ou surtout en France, hein, ou dans nos régions, hein, dans notre région. Voilà. Allez, je rallume ma prochaine trouvaille. Donc voilà. Après le petit coin de forêt que j'avais fait ce matin, ça n'avait rien donné, hein, à part cet objet mystérieux. Là, et la boucle de ceinture. Donc là, je suis dans la forêt. Comme vous pouvez le voir, oui, excusez-moi. Et j'ai fait un bouchon bon, tout en bas. Mon collègue, il est là-haut. Hein. Il est à quelque part par là. Et là, je viens de faire encore là-dessous. Ici, un signe W. Voilà. Un signe W. Volkswagen. Pour ne pas citer de marque. Ou Motorola. Mais je ne pense pas. Avec le bleu, ça c'est Volkswagen. Allez, je vais continuer. Je vais
monter là-bas ou peut-être aller dans ce coin, voir s'il y a quelque chose. Et je rallume à la prochaine trouvaille. Allez, tchuss. Allez, nouvelle trouvaille pour moi. Je viens de tout là-haut. En fin de compte, j'étais en bas là. Donc, je suis monté par là. Bon, c'est assez escarpé. Je peux vous garantir, il y a des coins un peu plus bas, mais voilà. Et donc là, juste en bas de cette descente, ici, un vieux couteau. Voilà. Un vieux couteau. Opinel. Mon Opinel, non. Couteau suisse. Couteau suisse. Voilà. Allez, je rallume ma prochaine trouvaille. Tchuss. Allez, nouvelle trouvaille pour moi. Là, c'est vraiment un truc de malade. Alors, je viens de là-haut. Là où j'ai fait le couteau. Donc là, je suis descendu jusque là. Enfin, de côté, là, je zigzague un peu à droite et à gauche. Mon collègue, il est juste en bas. Et là, je suis sur le cul parce que, regardez, j'aurais pu ne pas tomber dessus, ça c'est sûr. Excusez-moi, j'éternue. Voilà, regardez. À même le sol. Alors, est-ce que c'est un bouton? Est-ce que c'est une monnaie? On va voir ça. Putain, c'est une monnaie. Ah, j'en reviens pas. Et c'est pas une monnaie qui date d'aujourd'hui, celle-là. Ça, c'est sûr, c'est pas un euro. On va voir, je pense qu'elle est lisse. Je mettrai une photo de nettoyage s'il y a quelque chose. Ben, ça fait plaisir. Une monnaie. Voilà. En tout cas, c'est agréable, le petit coin. C'est agréable, mais c'est aussi... ouais, c'est chiant parce que franchement, il n'y a pas de son. Allez, je vais rallumer. Je rallume, dit que j'ai une trouvaille. Allez, tchuss. Allez, nouvelle cible pour moi. Ouais, la monnaie était juste là-bas, juste derrière les arbres. Donc là, j'ai fait un petit tour par ici, jusqu'à l'arbre. Voilà, j'ai passé ce petit ruisseau. Et donc là, j'avais une cible assez profonde, hein, avec des inscriptions. Avec des inscriptions. Et quelques dessins ici, je sais pas. GR. En même temps, il y a des numéros, je crois. Voilà. On verra ça au nettoyage. Ce que ça donne. Allez. Prochaine trouvaille. Allez, nouvelle cible pour moi. Avant, la dernière cible était juste là-bas. Donc là, je suis un peu remonté. J'ai un peu remonté ce petit rivière, ce petit ruisseau. Ici, et là, j'ai une nouvelle cible. C'était quasiment sous la ronce. Hop, elle est là. Rien d'exceptionnel, hein. C'est une cible quand même. Ça sonnait. Hein. Voilà. Ça sonnait. Voilà. Une cible reste une cible. On ne sait jamais ce qu'il y a sous terre. Tant qu'on n'a pas découvert, on peut pas savoir. Voilà. Allez, prochaine trouvaille, tchuss. Allez, nouvelle cible pour moi. Je viens de tout là-haut. Donc là, j'ai fait une nouvelle cible. C'est une petite roue. Petite roue dentée. Voilà. Je sais pas de quoi ça pouvait servir. Hein. Aucune idée. Voilà. Allez, prochaine trouvaille. Tchuss. Bon, allez. Le bilan des trouvailles pour la fin de la sortie. Hein. Donc, ici, la capsule. Deux capsules. Celle-ci, je l'ai pas filmée.
Elle est vieille, hein. Lunéville, il y a marqué. Donc ça date, hein. Et pas d'aujourd'hui, celle-ci. Lyon, aussi, là. J'avais non plus pas filmé. Laboratoire Lyon. Sonon. La petite, la dernière cible, hein. La petite roue. Ce petit tube, pareil, je ne l'ai pas filmé. Hein. Ça aussi, c'est normal. Voilà. Le couteau. Voilà. Ça, un reste de merdouille. Ça, aucune idée. Cet objet. Pareil. Hein. Si vous avez une idée. Y a pas de souci, je suis preneur. On va essayer de le gratter à la maison, voir ce que c'est. S'il y a des choses qui apparaissent, et regardez s'il n'y a pas plus, s'il n'y a pas plus à creuser là, plus profond. Voilà. Après, les deux champignons, voilà, à même le sol, pas besoin de creuser. Et là. Le reste de porte-clés Volkswagen, hein, de voiture. Cette petite, ce petit objet là aussi. Capsule, je sais pas ce que c'était. La plaque. Il y a marqué groupe. Il y a marqué groupe. Voilà. La petite boucle de ceinture. Voilà. Et la seule monnaie de la journée. Aucune idée, hein, sur ce que c'est. En tout cas, c'est pas, c'est une monnaie étrangère, hein, ça c'est sûr. Mais elle est vieille. Hein. Elle est assez fine. Hein. Elle est assez fine. Voilà. Voilà. Et pour le collègue, hein. Super sortie. Hein. Magnifique, une petite bague. Je sais pas s'il y a une pierre dessus encore. Hein. Si, il y a peut-être encore une petite pierre dessus. Voilà. Un anneau ou une bague aussi, pareil. Petit pendentif. Avec des petites pierres dessus. Voilà. Une petite cololo. Une demi-sole ou une petite sole à l'écu. Voilà. La petite médaille religieuse. Magnifique, une belle lierre inversée. Je pense qu'il devrait y avoir de beaux restes encore. Pas mal. Et franchement, le décime. Alors franchement, magnifique. Ah, il serait temps que j'en fasse un, moi. Parce que franchement, j'en ai jamais fait. Ouais. Un décime l'an 8, atelier A, Paris. Voilà, regardez de l'autre côté. Franchement, magnifique. Je pense qu'à mon avis, il y aura des super restes. Et franchement, l'enfer, pas basse. L'épaisseur du truc, ouais, franchement, il fait son pesant d'or, hein, celui-ci. Voilà, bon, allez, sur ce petit coin de forêt, hein. Voilà, je vous dis à une prochaine sortie détection. Hein. Voilà. Mais bon, en ce moment, c'est plus de l'urbex que sortie détection. Hein. Vu que tous les champs sont semés, hein. Bon, on fait quand même un peu de forêt, ça fait du bien. Voilà. Donc sur ce, à plus.